Okay. En attendant, MKLeo face à Twix. Aegis contre Diddy Kong. Et on le sait, Twix, c'est le genre de joueur qui peut faire trembler MKLeo. Et on va voir un peu quand il va s'en sortir. Pour l'instant, ça commence bien. Wow. Les ouvertures. 42% d'avance du côté de Twix. Et là, par contre, le reverse sur ce monkey kick. Le B qui connecte pas, ça a été bien DI. On arrive à trouver quand même des belles air dodge entre les combos pour éviter de prendre l'attaque. C'est à 5€ TTC. Donc c'est plutôt pas mal là du côté de Twix, on joue bien le monkey flip qui trouve le command grab. Par contre on en réessaye, d'en refaire un, cette fois-ci c'était plutôt le burger flip. Et du coup forcément on se fait un peu punir par ce upper, mais ça va, on arrive à retrouver une belle phase de combo. Magnifique. Twix est en place. Twix est en place là-dessus. Il était trop chaud sur cette phase. Le combo était vraiment dingue. Utilisé contre lui. Ah, le combo était trop illégal. Attends, mais imaginez, il y a un monde où MKLeo il sort. Mais moi je l'ai dit, hein, Twix c'est pas improbable. Le FC Twix là il va vous faire du sale. Twix est sur un truc de fou. La phase illégale, j'ai rarement vu ça sur Diddy Kong. Pour dire j'ai jamais vu ça, voilà. La phase c'est un truc dingue. De malade. Wow. Oh, comment il a trop bien joué. Il a fait un reset en plus dedans. Ça aurait pu extendre encore plus. Hein. S'il avait pas loupé le downer, ça aurait pu extendre encore plus. Et MKLeo là il aurait été à kill pourcent. Bon, il l'est quand même, hein. Mais waouh. Twix là il est vraiment effrayant de fou. Et on passe sur Pyra. Est-ce qu'on va réussir à trouver ce down tilt ou ce F tilt là? Le petit tilt aussi qui pourrait tomber sur Pyra. Il y a beaucoup de kills confirmés à ce moment là. On tente directement le down smash en lecture de roll. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là? Léo qui doit se ressaisir si jamais il veut gagner cette première game. Ça va être très compliqué. Il a déjà une belle stock de retard. Et Twix pour l'instant qui est vraiment convaincant au niveau de ses interactions. Il prend bien son temps. Il ne se fait pas avoir. Franchement, il est. Je pense que j'ai rarement vu Twix à un tel level. Il est très très chaud là. Mais Twix, de toute façon, moi, c'est ce joueur, j'ai l'impression, c'est celui qui est capable de tout et de rien. Vraiment, c'est. Quand il fait rien, vraiment, il soupère de fou. Mais quand il fait tout, il est capable d'affronter et vraiment de tenir tête à des joueurs du calibre de MKLeo, tu vois. Largement, largement. Ouais, quand même, là-dessus. À 145% quand même, il suffit d'une dernière touche quand même, mais ça revient encore. Ouais, cette banane. Oh non. Ça va reprendre, vas-y. Je vais aller refresh le stream là-bas. Okay. Et du coup, il a toujours pas trouvé la stock. On utilise la banane contre lui. MKLeo aussi, c'est un joueur d'expérience. On sait qu'il est capable de comeback et là, il est en train de le faire avec sa Pyra. Il est. Oh là là, oh le frame trap. Oh, comment il rattrape tout ça là, MKLeo? Voilà, quand même. Tilt là-dessus. Elle est tuée au bout d'un moment. Non, on aura pas le confirm par contre. On fait reverse, attention Twix, parce que s'il perd sa stock maintenant, toute son avance sera perdue. On trouve un side B. Wow. Il fait des phases. Il est très très stylé. Le burger flip. Oh, attention, ça on va pas être puni sur ce grab whiff. Petit dash shield là. On essaie de forcer l'option offensive de MKLeo. Regarde comment il contrôle l'espace au sol, surtout. Vraiment, c'est MKLeo qui à chaque fois essaie de chercher la voie des airs. Mais Twix qui se replace vraiment à chaque fois comme il faut avec la banane en plus, qui est toujours vraiment une grosse menace en termes de gestion du neutral. Et justement, MKLeo qui essaie de à chaque fois prendre la patience qu'il faut pour pas se commit. Mais là, malheureusement, au bout d'un moment, les interactions là, qui sont emportées en général de plus en plus par Twix. À 101% sur la dernière stock, MKLeo qui a peut-être moyen de perdre la première game si ça continue comme ça. Oh, avec la banane, malheureusement, il n'y a pas de conversion, mais si, il y a quand même ça en décalage. On va essayer d'aller chercher loin, ça passera pas, mais dans le B. Un poil trop loin. Et 1-0 pour Twix. Et sans contestation possible. Il a trop bien joué cette game. Vraiment. Très très chaud. Il a été très très chaud. Voilà. Il y a des gens qui en doutaient, hein. Mais je vous assure que le FC Twix, des fois, ils ont raison. Quand on dit que Twix est un joueur qui est capable de... Parce que Twix a perdu juste avant en winner, et on s'est dit, mais Twix, dans les deux, c'est celui qui avait moyen de peut-être battre MKLeo. C'est pas pour rien qu'on disait ça. C'est celui qui a le plus de chances de battre Leo, pour moi, Twix. Entre Light et Twix dans le match précédent, parce que c'était le quarter winner. C'est pour moi, c'est Twix qui a vraiment le plus de chances de battre Leo. Ah ouais, non mais... Et il le montre, là, ici, de toute façon. Totalement. C'est... Il domine bien, hein, clairement. Il est très très solide et rien à dire. C'est MKLeo, hein. Faut pas dormir. Oui. Oh, je vous assure que si Twix gagne, n'allez pas sur Twitter. Hein. Oh oui. Oh là là. Oh là là. J'ai aussi suivi un temps soit peu la scène Smash. N'allez pas sur Twitter. N'y allez surtout pas. What? Oh, ça va pleuvoir. Je vois Negato 77 commencer à préparer ses meilleurs tweets. Le monde va le suivre. Mais c'est back to 2018 là. Il va nous refaire l'infini. Ça continue. Alors ça n'existe plus. Il va réussir à nous faire un infini, c'est sûr. Là, il va réussir à retrouver. Trop sur quelque chose. Il est trop sur. Il essaie de le salir. Aïe. Attention, pas se précipiter. C'est trop quelqu'un. C'est une dinguerie ce qu'il propose là aujourd'hui.
propose sur ce set, c'est dur pour MKLeo. C'est dur pour MKLeo, une stock de retard 80% déjà qui ont été pris. Allez, je vais bloquer Negato et je montre tout de suite ces animaux qui vont être là, qui vont me casser les couilles. Ah bah gars, c'est leur heure de gloire là, et elle sera méritée parce que là franchement je t'assure que si Tweet gagne... Ils m'ont attendu quand même pendant 2 ans, donc bon, il va falloir en vouloir. Oh, arrête, il a fait deuxième, je crois, c'était quoi? Oh, yo, 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 yo. Avec la banane. Banane, S-machin peu chargé, ça tue pas, pas oh, grand chose. Par contre, B, non, non, même pas. Non. Abuse, il était à 70%. Bah ouais. Bah ouais, normal. Il a payé 6 balles pour le oui, perso. C'est vrai qu'il a, tué, il a payé 6 balles pour le tuer, c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'il veut trouver un backer là, Léo? Est-ce qu'il peut trouver quelque chose? Il a essayé de oh, oui. Oh là là, oh là là. T'as vu comment il a tempo sur le ledge, justement? Il a attendu vraiment le moment optimum, pas seulement pour s'en sortir, mais pour savoir quand est-ce que lui pouvait reprendre l'avantage. Banane, down tilt, up smash. Kaleo est pas dedans quand même. Hein. Ah, je sais pas si c'est lui qui est pas dedans, c'est lui qui est trop dedans. Moi je pense que c'est lui qui est trop dedans. Hein. Ah, mais je sais pas, je. Franchement, mais non, regarde ce qu'il impose moi, là. Je trouve que c'est lui qui est trop dedans, vraiment il est trop fort là. Je sais pas, Kaleo, j'ai l'impression que d'habitude il se débrouille quand même. Hein. Même quand il est trop dedans, quand il perd, il se débrouille là, il est en train de se faire allumer. Oui, mais Twig est trop fort. Ouais, mais je suis quand même d'accord de plus en plus là, parce que franchement, il accumule quand même pas mal d'erreurs là en DESA et autres. Ouais, non, là par contre, ouais, là il abuse de ouf, mais ouais, non. C'est même pas de l'abus parce qu'il réussira quand même à l'avoir là-dessus. Ouais, MKLeo, il fait la tête. Je crois que lui-même a conscience qu'il fait des erreurs aussi. Hein. Là, je pense que c'est comme tu dis en fait, c'est les deux. C'est Twig qui est monstrueusement fort. MKLeo, il est pas. Je sais pas. Est-ce qu'il va changer de pick? Moi, c'est ça la question. Il y a de l'abus sur les lunettes là. Est-ce qu'il y a un changement de caractère? Est-ce qu'il va sortir un Salvateur Joker? Non mais en plus, genre, c'est pas comme s'il avait foudroyé là sur ce. Il a foudroyé en combien de temps là sur il ce a, il a deux stocks, il a JV3 là. Attendez, on va écouter au niveau du son du pic. Voilà. Est-ce que le pic a été choisi déjà? Mais du coup, on n'aura pas MKLeo. Peut-être il fait exprès de perdre hein, pour Acolo. Hein. Quoi? Entendu. Oh, Rob entendu. Non. C'est Rob, je crois, j'ai entendu. Non. Bylet. Ok, ok. Il reprend sa Bylet. Ah, de toute façon, c'est reverse 3-0 ou rien. Ah bah là, Léo, il va devoir se rattraper. Hein. Il est parti sur Bylet. Bylet, puis qui lui a fait gagner beaucoup de majors. Il lui a fait faire des gros résultats. Qui, je pense, c'est pas dégueu contre Diddy Kong. Maintenant, le problème, c'est le neutral, hein, forcément. Ah, Agis, c'est pas dégueu. Le neutral, c'est... Kong, hein. Oui, je pense aussi que Agis, c'est pas dégueu. Mais je pense qu'il est beaucoup moins fort qu'Agis qu'avec Bylet. Après, faut voir. Hein. Faut voir aussi au niveau de Twig, comment il est au niveau de sa forme. Là, on voit qu'il est trop très fort, très belle tech. On ne prendra pas cette dash attaque. Est-ce qu'il va être capable d'aller chercher le river sup, Léo? Pour le river sup, face à capable, hein. Il en est totalement capable, on le sait très très bien, on temporise. Oh magnifique le B. Oh, très belle DI out. On ne se fait pas avoir par ce backer parce que ça aurait pu mettre totalement Twig dans la sauce là. Et Twig pour l'instant qui se débrouille correctement. Oui. Malgré le changement de perso d'MKLeo. En 70% à 60. Ouais. C'est à peu près even. On se regarde, hein, même malgré la petite map, il y a pas eu de. Oh, j'ai menti. Il n'y avait pas eu des conversions de fou, j'allais dire, et là. Ouais, mais il attend à chaque fois d'avoir les trucs du optimum. Il est mort. Oh là là, il a réussi à quoi, Bylet? C'est quoi ce snipe en plus? Il a trop bien joué avec ses projectiles. J'ai jamais vu Twig à ce niveau. Non, mais il est transcendé là. Il est trop fort, une dinguerie le Monkey Flip, la Command Grab. Léo qui est pas dedans là. Léo, vraiment, il a du mal. Hein. Il bouge trop bien, Twig est trop dedans. Mais après, non, c'est ça. En fait, c'est Twig qui est trop fort là. Twig est trop dedans là. Une dinguerie. Il est friand, Twig. Oh, oh bah oui bien sûr, auto shield up B. Il abuse un petit peu, peut-être. Il va se faire prendre du zinzin. Ouais non mais c'est... Kaleo qui se réveille là-dessus, qui va prendre la stock. Le Twig finito là vraiment... Attention par contre, il est finito tous les ans et après il revient trop trop fort. Il est jamais vraiment finito. Mais il sait jamais, hein. Lui-même il sait pas. En fait c'est ça, c'est dans sa tête. Quand il a envie. Hein. Il est juste finito dans sa tête quoi. Oui c'est ça. Le mental. C'est que du mental. Que MKLeo va réussir à le faire. 90% de retard sur cette game contre Diddy Kong qui a des setups. C'est pas évident. Il va falloir trouver des options. Oh là là. Oui. Oh, heureusement, il était dans les airs. Ça l'a pas fait glisser. Là-dessus, on va voir. Le spacing de MKLeo. Il arrive à gratter quelques pourcents. C'est difficile le up tilt. Peut-être en retire. Oh, ok, on a le jab. Ouais, on va gratter de l'espace pour MKLeo. Il en a besoin. Tilt, ça aurait pu être un up smash. Hein. Ça aurait pu être très compliqué pour Léo là-dessus. On n'a pas le confirme, attention le rigrab, le nerf, ok, le dernier hit du nerf qui passe, le petit qui est placé, le B qui a été très bien ardoche, le frame trap de Léo qui commence à repasser un petit peu plus dedans, le fer qui est placé lui aussi, est-ce qu'il peut trouver quelque chose, est-ce qu'il peut aller chercher sa stock le plus tôt possible, la banane qui a été rattrapée par Twig, attention par contre à la tech qui a été réalisée en roll in et du coup Léo qui ne punira pas ça. Et c'est relativement serré malgré tout, cette stock qui peut partir à la vitesse de l'éclair, hein. Bylet on sait que ça tue vite. Okay, il faut que Twig il respecte là-dessus ou le nerf d'Ashata qui passera pas, on a trop de pourcents, ça a été bien DI out du côté
de Twic. Et il faut trouver cette stock. Le talent kill qui connectera sur rien. On va rattraper cette banane. On va la faire couvrir. C'est Edgeguard en plus. Il est trop fort. Il couvre tout avec ça. Luke est dans la sauce, hein, 0-2. Il est dos au mur là pour l'instant. Et il doit réussir à gagner cette game pour aller chercher cette place en. Ah ouais, waouh, c'est voilà, en full voilà. Accéléré. Oh là voilà. Sur le live réel. Ouais. Ok. 0% de prix. Je t'assure que là, s'il met un 3-0, n'allez vraiment pas sur Twitter, désactivez votre compte. Faites ce que vous voulez, mais là, va falloir prendre des mesures d'urgence. Parce que là, je peux vous assurer que Twic, il est en train de donner raison au FC Twic. Depuis le début, c'est le grand frère, il est revenu. Oh non, oh, le tweet en puissance. La version 4, la version 5 de Twic, on ne sait pas, mais il est là. Ultra instant. Présent dans cette game. On rappelle que celui qui perd est éliminé et finira donc 9ème de ce semi. Attention, on aura deux. Oh non! Il a tenté un truc avec la banane, non? C'était très chaud, c'était très très chaud. Mais il a une stock d'avance, il a 88%. Enfin là, faut faire le comeback de sa vie. Là, c'est Léo, hein, c'est Léo, il est capable de réaliser ce genre de comeback, on le sait. Attention! Non, non, non! Ça tue pas encore! Léo qui est dans la sauce, attention! Est-ce qu'il va se faire edgeguard? Le mec a été mis! Léo, attention! Oh, bien joué! Bien joué! C'est pas fini, MK Léo! 116% quand même là, faut être impérial. Il a la banane. Faut faire aucune erreur. Ok, oui. Et là, on a la banane dans les mains du côté Twic, on patiente, on attend l'ouverture. Wow, la banane qui tue, hein. S'il prenait la banane, Léo, cherche les downs. Ah oui, banane au sol, c'est la mort. Banane. Ouh, heureusement qu'il a pas fait le command grab. Ok, on arrive à revenir là. La flèche. Très bien, ça. Première fois qu'il la lance, hein, d'ailleurs. Ouais. Non oh, il a vu. Il a pas puni. Oh là là, on se trompe de côté. Oh, dash attaque. Il doit fuir de façon des deux côtés. On arrive à trouver le fer. Oh oui. Il prend cette game, j'y crois pas. On l'a dit, hein. J'y crois c'est pas. Il a raté 2-3 occasions, il aurait jamais dû. MK Léo. Waouh. Roi d'Ultimate. Oh, le clutch factor est illégal. Ah ouais, non, là c'est illégal. Là, ce qu'il a fait, vraiment, c'est le haki des rois. Qui l'aurait parié sur ça? MK Léo. La cote était à 0-1. Une dinguerie. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est pas fini la game 4, Léo. On connaît power-up. Allez, un instant de répit pour le FC Twic. On pense fort à eux. Mais mets en 1080 au pire, non, ça, quand oh. Et bon, on va pouvoir avoir de nouveau le clean field. Allez, let's go. Ouais, non, mais là, de toute façon, c'est MK Léo, format des losers, format des summits, ce que vous voulez. Vraiment, faut attendre bien le dernier moment. De toute façon, tant qu'il n'y a pas game. Oh là, oh là. Oh là, 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 24%. Ah non ! Ok. Super. Parfait. Direct. Le cast Eminem quand t'es en x2. Il faut aller très très vite. Déjà, il faut comprendre le jeu. Ça va à une vitesse. À ce niveau-là, c'est impressionnant. Et là, game 4, Léo. Et le quick, il va falloir être bon. Le counter pick Bayless quand même. Juste pour cette dernière stuff, franchement. Elle, à elle seule, cette stock, elle justifie tout. C'est une dinguerie. Clairement. C'est une dinguerie. Cette game qui commence un petit peu plus even. Ouais, on a essayé d'overshoot un dashback, on a pris le shield. Ouais, et là, j'ai l'impression que la tendance, elle est en train de pencher de plus en plus en faveur de MK Léo. Attention. Quoique. Il faut récupérer. Et là, on trouve pas les dash attacks quand même du côté de Léo. Oula, ce downer était un peu présomptueux. Forcément, il va se faire punir directement avec ce monkey flip. Mais j'avoue que là, mine de rien, Twic reste quand même devant dans les phases de neutral. Oui. Pourcentage, il est quand même plutôt pas mal. Après, on sait que Dikong, ça va avoir un peu plus de mal à tuer que Bylet. Après, bon, il y a quand même des setups bananes, tout, up smash ou ce que tu veux. Même le down tilt hein, qui a des confirmes de fou. Mais c'est vrai que là, Léo, il est en galère encore une fois. Ouais, clairement. Il est sur quelque chose, Twic. Il va pas se laisser abattre parce qu'il a perdu une game. Il va falloir être très très bon du côté d'MK Léo. Ça joue tellement bien. C'est un truc de fou. Pas, mais ça tâte le shield, ça tape, ça joue vite, ça re-shield, ça re-dash back. C'est... La pression est incroyable dans cette game. Il n'y a toujours pas de stock qui est parti en 1:40. Oh là là, il a patience de Twic sur cet air dodge. Il la met au dernier moment. Il arrive à pas se faire piéger par MK Léo. Et il faut pas qu'il se fasse piéger. Hein, parce qu'il y a 140% des deux joueurs. Bon Dieu. C'est un truc de fou. 2 minutes hein, au compteur et ça s'est toujours pas tué. Ils ont retardé la max. Oh, oui. Ça, c'est une occasion, ça. 160% du côté de MK Léo. Il se prend cette cacahuète. Attention à la zone rouge. Il va pas être puni. Il était trop loin. Du côté de Twic.
Il a la max. Ouais, mais toujours pas malheureusement. C'est à chaque fois un poil trop loin. Non, non, non. Ce petit flip là, ce burger flip. C'est totalement le burger flip ça. Non, c'est un peu trop précipité là. Twig qui se précipite, qui fait des erreurs. Oh non, si Twig se fait reverse 0-3, allez sur Twitter. Ah là, pour le coup, faudra réactiver le compte. C'est trop mon rêve, une dinguerie. Je vous le dis, c'est trop mon rêve. Il est clairement méchant. Il y a des intentions qui sont mauvaises ici. Ah bah écoute, il y en a qui ont vanné Gluto, qui ont voulu vanner en mode Glutoné a fait dernier de poule pendant que Twig a fait premier et vous me parlez de meilleurs joueurs. Écoute, s'il y en a un qui fait top 8 et l'autre non, peut-être qu'on pourra vanner quoi. Là, il y aura discussion, on dira. Après, c'est pas encore fait. C'est non. Pas encore fait parce que Twig clairement est bien en place. Il a l'air d'être très solide en tout cas sur ses mécaniques et sur ses ouvertures. Après Léo, attention. Par contre, hein. Léo, encore une fois, on le sait, le clutch factor de MK Léo, il est impressionnant. Ça peut aller vite, ça peut aller très vite. Okay. Attention, on punit là-dessus, là, Rico en zone rouge. On joue très agressif du côté de Léo, j'ai l'impression qu'on perd patience un petit peu dans cette game. Là, on tâte les downshields, le whiff finish sur le burger flip. Oh attention, on là. Ça on ne touchera pas. Ouais. On touchera il a pas de fini derrière le B, ouais. Encore, ça fait deux fois. Le whiff finish. Là, le nerf, ça va être shieldé, on va s'en sortir. Oh, on va essayer de s'extraire un petit peu de cette mélasse du côté de Twig. Il faut reset cette fois, on touche. Cette fois, on touche le monkey flip. Ah, c'est tellement oppressant comme game, c'est un truc de fou, il reste 3 minutes 20. Il reste encore 2 stocks du côté des deux joueurs. La dash attack, elle est pas placée. Oh et là, la panique. Ouais. Et ça, la panique, contre. C'est puni. Ça par contre, c'est se faire. Il faut reset mental. Se faire sur pause. Le tipper, ça punit instantanément et c'est très très solide. Attention par contre, ouais, ça c'est magnifique, hein, les ouvertures. Ouais, attention le monkey flip a été lancé. Ça c'était un petit peu moyen, mais Léo qui arrive pas à punir ça. Oh, full stool, full stool. Il n'y a pas de confirme full stool ici, il n'y a pas d'enclume. Hein. Mais attention, encore la même chose. Oh là 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 là, et ça retue encore une fois MK Léo qui va chercher cette game 5. Deux fois qu'il c'est lui fait le deux stocks. Hein. Ouais. C'est violent. OMG, Twitter qui va être réactivé. Ah OMG, oui, voilà, oui, ça commence. Je vais débloquer Negato, let's go. Attends, je prépare. Negato qui avait préparé son tweet, qui avait appuyé sur entrée. Le brouillon va être supprimé et d'ici là, peu. Ouais. Aïe, aïe, aïe. J'ai peur. La dinguerie. Oh, si Twig perd, il va s'en vouloir. MK Léo Game 5. Eh, je vous jure que ouais, si Twig perd là vraiment c'est. Sans vouloir, je serais trop heureux, une dinguerie. Oh, le pauvre alors que c'est le supporter numéro 1 de Gluto. Oui mais c'est pas grave, c'est pas. En fait c'est pas MK Léo aussi, c'est un supporter. C'est pas vraiment contre Twig. Le combat contre le FC Twig. C'est contre le FC, ouais. C'est ça, c'est pas pareil. Moi Twig c'est une personne que j'aime bien. Mais le FC Twig, voilà, on va dire qu'ils sont un petit peu. Rageux. Ils font un peu les beaux quoi. Et surtout ils sont pas chauvins. Tu vois, ils aiment pas la France, ils détestent la France, une dinguerie. Et du coup, ça on va leur montrer. On va leur montrer. Ça fait de la délation maintenant, ça y est. C'est réel, hein. Et là, oh, attention à ce Phantom Footstool qui l'envoie très très haut. Il se regarde encore, hein, ça se tâte. Pour l'instant, c'est MK Léo qui gagne au pourcent. Mais on a l'ouverture du côté du Didi. Ça peut aller vite. On gratte un petit peu pour s'en rendre. On s'est touché un petit peu par le nerf. Je sais pas, c'est. Il y a eu une. Le saut, attention. Ouf, on revient grâce au Monkey. Oh, la banane qui est tombée. Flip. Je sais pas quoi. De toute façon, là, ça devient compliqué, là, ce set-là. J'avoue, game 5, on est parti. Attention, par contre, Dungeon, ouais, c'est magnifique. Okay, on gratte les pourcents. On arrive à comeback un petit peu du côté de Twig. C'est bien, hein. C'est très très bien ce qu'il fait, là, Twig. On sait qu'il a plus de mal à tuer qu'à MK Léo, donc il faut qu'il fasse deux fois plus d'efforts. Ah, le perso, c'est ça aussi sa difficulté. C'est ça qui fait qu'il est assez dur à mettre en place. C'est un peu à l'image d'un Fox ou quoi. C'est, tu dois trouver tes setups. Si tu ne les trouves pas, c'est compliqué. Il arrive à tech juste après le rebond, juste après avoir glissé. C'est plutôt bien fait là, Léo. Il ne se fera pas avoir sur cette dash attack. Attention, par contre, le nerf. Ouh, le flash. Aïe, 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 l'aspirateur du smash. Et Léo qui prend la première stock en premier. Je suis prêt à retweeter mes signets. Let's go, MK Léo. MK Léo hein, qui ne voulait pas perdre le drag down. On a tenté le grab, c'est pas passé là-dessus. On va voir le monkey flip qui va grab. Et il faut trouver la stock rapidement du côté de Twig, sinon ça va être compliqué. On se fait gratter petit à petit. On a pris 20% déjà. Down tilt, fair. Il faut retrouver une phase comme ça. Oh, esquive, hein. Trouver une petite banane, un up smash, un truc qui tue. Et le problème, c'est qu'on a de moins en moins des occasions qui sont trouvées pour pouvoir tuer. Là, tu vois, encore une fois, même là, avec cette trouvaille banane backer, même ça, 150%, ça tue toujours pas. Et là, on a la rage au maximum en plus. Donc, chaque touche va être violente. Regarde, deux touches, 39%. Et en plus, là, on continue d'acculer sur le ledge. Backer, heureusement qu'il y aura ce backer qui sera trouvé. Deux stocks partout. Mais
42% et ça peut continuer d'augmenter en faveur de MKLeo au fur et à mesure. Ça, par contre, c'est punition. Et avec la plateforme, on va pouvoir même pouvoir convertir, reprendre la banane. Mais seulement 23%, c'est pas encore assez. Faut continuer de mettre de la pression pour essayer de rattraper tout ça. C'est compliqué parce que MKLeo là vraiment. Mais ouais, c'est ça le truc. C'est encore une fois, tu vois, il veut peut-être trop en faire là. Il était sur une bonne instru, mais là, non. L'option de heureusement que ça se trouve. C'était pas trop là. C'était pas trop. Il a tenté de delay son backer. Et s'il touchait ce backer, vous savez que Twig était mort, Twig était totalement dans la sauce. On arrive à bien shield cette banane. Sur le diable, qui passe, qui ne tuera pas encore. On a déjà infligé 126%. Là, on connaît en plus ça, Léo. Il est très fort pour ses confirmes, que ce soit le down tilt, up air, ou que ce soit les up B into back air. Il les trouve très très bien. Après, à ces pourcentages-là, je ne suis pas sûr que ce soit true. Attention, voilà, on cherche le nerf, on trouve la banane. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Le down tilt, la dash attaque, c'est bien fait. Du côté de Twig, qui gratte des pourcents. La banane, encore une fois, attention. Oh, oui, c'est allé vite. C'est allé vite, mais c'était très stylé. Un truc qui joue en x2, un truc qui vraiment. Et c'est dit aussi que lui aussi, il a un clutch factor, il le sait. Et MKLeo qui doit se méfier. Là, on est à peu près 20%. Les deux joueurs sont en kill pourcent. Ça tue pas encore. Mais bientôt, hein. Là, on a cette rage du côté du Didi. Il joue bien. Twig qui remonte. La flèche. Oh, le snipe. C'est vrai qu'il utilise la flèche. C'est un outil qu'il n'utilise pas beaucoup de base. Attention, par contre, au monkey flip qui a été tenté. La banane, on va tenter. Oh non. Ça va trade là. Ouais, ça clank. Je crois qu'il a voulu s'y prendre un peu trop tôt. Le monkey flip sur le. Sur le fer, ça va faire mal. Et là, ok, très bien. Dernière stock du côté des deux joueurs. Aïe. Oh, les Twitter qui sont tous allumés là, ça y est. Oh, les combos de Twig, 44% d'entrée de jeu. Oui. Oh, Twig peut-être. Twig peut-être. La banane, 63% récupération de banane, monkey flip. Ça va vite, ça va très très vite du côté de Twig. Oh, il continue de gratter le pourcent, mais attention à MKLeo. On connaît son clutch factor. Il était parti vers la gauche, il ne pouvait pas le toucher ici. Il a cherché le EPR. Attention, par contre, prudent. Ok, il repart directement, il se replace. Twig qui veut pas se commit non plus sur ce grab. Attention, par contre, le dentil. Encore. Into le fer. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Le nerf. Est-ce qu'on peut trouver un B? La banane qui est balancée, le shield qui a été très bien fait. Le spot dodge. Le spawnage qui aurait explosé. Twig qui a eu la bonne option, la justesse d'aller chercher ce spot dodge et non pas le shield, parce que sinon c'était un shield break. Ouais. Et le shield break, c'était la mort. Quel game de fou, c'est pas fini les amis. Malgré les spawnages d'avance, c'est très dangereux pour Twig. On sait que très rapidement, Léo peut trouver un kill avec un B. Il faut pas se louper du côté de Twig là. On a la victoire entre les mains, il faut pas se louper. Il faut trouver un downtime, une banane. C'est safe. Le monkey, oulala, c'est dangereux. Quand même. Dash attaque, attention. Merde, dash attaque, elle en est au stage. Sur le ledge, ça fait peur. Ça fait peur. Ah. Non. Le prochain, ça tue. La banane, attention par contre. Léo qui joue avec la banane, qui avait peut-être un setup avec cette banane, mais il y a pas cru. Twig qui a peur, 96% là, que ce soit en downtime des deux côtés, c'est la mort. La banane aussi, ça tue les deux côtés. Attention au nerf qui ne touchera pas. Le backer qui est trouvé sur Twig, 109%. Est-ce qu'on peut faire quelque chose du côté de Léo? C'est une dernière touche des deux côtés. Est-ce qu'on peut trouver cette option? Le backer qui passera pas. Ça tue pas. Oui, mais ça remet surtout en bon avantage, parce que là il le met off stage. Et là il y a l'Edgeguard qui peut être vraiment dangereux avec la banane encore en main. Le jeu de cacahuètes qu'on essaie de faire. On prend le temporisation pour essayer de remonter, mais c'est tellement difficile. Regarde, il pousse plus. C'est terminé. Et Twig, Twig qui élimine MKLeo. Je suis dégoûté. Oh, ça y est, le FC Twig se réveille. Il est actuellement 2h du matin et c'est la fête, je peux dire, dans les chaumières. Oh là là, bon Dieu, quel set. Quel set auquel on vient d'assister. Wow. MKLeo qui finira donc 9e de ce Smash Ultimate Summit 5. Quelle performance de Twig tout de même. C'était un set de...